Salut à toutes et à tous, on est reparti sur Project Zomboid. Donc première nuit au mall, on va régler l'alarme sur 7 h pour pas se réveiller en plein après-midi, il est déjà bien fatigué. Allez go, les tables étaient mises et tout. Ah, il est un petit peu barbouillé à cause des mouches, des cadavres qu'il y a partout là. Ok, donc la nuit s'est bien passée. De toute façon, je connais cette configuration. Je l'ai fait parce que je savais que ça marchait. Hop, on va se faire une petite salade. Petite salade avec du kiwi. On va prendre tout ce qui est un peu en état d'être périmé bientôt là. La citrouille, elle a l'air de bien tenir, elle est encore fraîche. La patate rouge aussi, mais le reste. C'est plus terrible, terrible, donc on va faire ça en priorité. Donc là, l'objectif, bah, c'est toujours la foreuse, hein. On n'a pas trouvé, malheureusement. Il me faudrait un peu d'eau, je crois, ouais. Pas trouvé de foreuse. Hop. Je vais rééquiper le wagon. Je vais quand même bien prendre tout ce que je peux au niveau du magasin de bricolage. Ça nous fera du matériel en plus. Voilà, c'est bien désert. Ouais. Ils ont dû migrer un petit peu pendant. Ah, bah là, il y en a. Ils se sont peut-être regroupés à des endroits comme ça. Pendant la nuit. Allez, on va s'entraîner à la hache. On va continuer à faire grimper. Il fait beaucoup de one shot quand même. Ouais, il est vraiment efficace avec cette arme. C'est le fait de pas paniquer. Parce que tout de même là, il est. Ouais, il est vers le niveau 5, mais on en est encore bien loin. Hein. Oh, j'ai vu une autre hache. Yes, super. Briquet, hop. Un petit toki, on prend. Ouais, je le trouve bien efficace à la hache. Je vais pas en abuser non plus. Faut rester au couteau pour faire le gros. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'était un mur. Ah, la majorité du temps, on va rester au couteau quand même, mais. On va se faire plaisir à la hache de temps à autre, puis surtout quand on a du gros groupe bien paquet. Là c'est bon. C'est bon, c'est bon tout ça. Il y a des petites vitrines avec des bijoux dedans, c'est sympa. Ah, je t'avais pas vu. Ouais, sinon là c'est que des trucs sans intérêt. Des bougies, des trucs comme ça. Des yo-yo. Ok. Hop. Donc je vais prendre de l'eau dans le spiffo qu'il y a là. On va se refaire une petite séance hache. Maintenant, dès qu'il y aura des groupes comme ça, ça va être systématique. Attention, rampant. Hein. Avec le leitmotiv à chaque fois. Bon, après avoir fait ça, on va se reposer. On a un bon petit bout quand même là. Hop. Je cours pour les attirer. Voilà, pour faire sortir ces cochonneries de rampant là. C'est toujours le truc qu'il faut faire, hein, courir sur les tas de cadavres. Sinon, si on marche, on se fait avoir. Voilà, il y en avait beaucoup ici. Je suis fatigué, ouais. Ça, par contre, c'est pas le bon plan. Il va même être très très fatigué, je le sens. J'ai passé un petit coup au couteau là et je vais me reposer après. Non, viens toi.
Allez. Ouais, j'aurais dû me reposer entre temps au lieu de courir tout de suite. On va voir si on peut pas le faire de temps à autre là. Hop, on se repose 2 secondes. Tant qu'ils arrivent. On a un peu de marge. Voilà. Après on sépare un peu tout ça en tournant autour des tables. Ils sont tellement stupides. Ils tombent dans tous les pièges qu'on leur tend à peu près. Allez, recule. Vous trois, vous dégagez. Oh, alors là, on a un rampant aussi là, mais rampant dû à une poussette. Hop, celui-là. Ah, c'est des traîtres, hein. Faut vraiment se méfier. Elle allait se coincer sous les tables. Juste pour me faire chier. Voilà. Hop, 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 hop. Toujours courir. Là, j'applique pas mes propres conseils. Ça a failli être fatal. J'en suis où? J'en suis que ça va. Voyons voir là-dessus. Ok, bon. On va se reposer un petit coup encore. Et puis après, je vais chercher de l'eau dans le spiffo. Il y a une petite déco que je voudrais récupérer dans le spiffo aussi. C'est aussi pour ça que j'y vais. Et puis après, je m'occupe de looter à droite, à gauche. Notamment dans le magasin de bricolage. Il y a pas mal de trucs à prendre. Je me retourne, j'accélère. Hop, un petit peu. Je me retourne. Ça va, c'est bon. Donc on va aller là-dedans. Ouais, je prends cette petite déco là aussi. Repasser au couteau, ça sert à rien de me fatiguer trop. Là, il y a du monde quand même dedans, on dirait. Ouais, il y a quand même du monde. Ça serait peut-être bien de courir et de faire tout en gros. Wow, qu'est-ce qu'il nous a fait? Des fois, il fait des trucs pourris, par contre, comme ça, qui sont normalement réservés aux personnages en panique. Et lui, il est pas en panique, donc. Allez, venez là. On va se refaire ça à la hache. On est deux d'abord, là. Attention de pas se faire attraper par ceux qui courent, là. Ah, séance hache, là, le matin. Pour se remettre en jambes. C'est bien. Oh bah, c'est vraiment efficace, hein, franchement. On se fait un groupe en 2-2 là. Ça fait du monde, hein. Je vais me reposer un tout petit peu. Et puis on pourra finir de s'occuper de ce spiffo. Ouais, quand on fait à la hache, on prend beaucoup plus vite des points qu'au couteau. C'est vraiment plus efficace, même en entretien, je pense. Ça fait monter plus vite. Allez. On va en finir, là. Allez, tu tombes. J'ai pas envie que quelqu'un m'arrive dans le dos. Ok, c'est bien. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des petits tapes sur ça, là. Tape sur quoi? C'est une porte qui... Comment on y accède à ça? C'est un peu abscon, le truc, là. Ah. Hop, wouh. Heureusement, je me suis retourné juste à temps. C'était risqué, là. Ok. Ouais. Là, je l'ai eu échappé belle. Ça aurait pu mal tourner, je pense. D'accord, on pouvait passer de par là. On aurait peut-être mieux fait de passer par là, en fin de compte. Bon, j'ai ma bouteille d'eau remplie. Je vais récupérer mon petit truc, là. Le petit spiffo brillant. Ça,
On a besoin juste d'un tournevis. Et voilà. Je le mets dans mon sac. Et on est parti, là, direction donc le magasin de bricolage. On va essayer de terminer ça. Prendre ce qu'on a à prendre là-bas. Et puis après, on cherchera notre foreuse. Oh, on avait plein, là. Ah, je pensais que c'était terminé. Eh bien, j'avais tort. On va faire attention, là. Je ne veux pas être loin de la fatigue. De l'essoufflement, hein, je veux dire. Quand je parle de fatigue, souvent, je veux dire essoufflement. Hop, hop. Ok, là on a fait un beau carnage encore. J'aurais peut-être dû me reposer un tout petit coup, je vais le faire. Je vais aller me mettre là. Et je vais attendre qu'on vienne me chercher. Et pendant ce temps-là, ça me permet de me reposer. Bon, ils sont pas pressés en plus de venir. Tant mieux pour moi. Je pourrais carrément faire tout ça au couteau, hein. Ce serait dommage de d'abîmer la hache pour eux. Allez, viens, toi. Attention. Bon, alors là, est-ce que ça va maintenant? Est-ce qu'on peut enfin s'occuper du magasin? J'ai entendu une femme, alors je me suis dit elle arrive par derrière. Comme j'en voyais pas devant, mais en fait ça devait être celle-là. J'ai entendu de loin. Il y a encore du monde hein, là-dedans. Oh. Oh, c'est pourri. Attention là. Puis lui c'est un rapide, mais comme d'habitude il nous fait le coup du gars qui va pas vite. Ok, ça vient, ça vient. Voilà. Ça devient bon cette fois. Oh non, même pas. Il y a encore un attroupement là. Allez, on va faire sortir tout ça. Autre chose cette histoire. Ouais. On n'en termine jamais, hein. Attention. Le plus dangereux, c'est de se faire attraper, voilà, par ceux qui vont vite. Ils vous attrapent et après, tout le groupe vous saisit. En plus, ils se poussent les uns les autres. Allez, je peux le faire. Là, ça commence à se... Malgré la fatigue, il va pouvoir. Très bien, tout ça. Voilà. Nickel. On va repasser sur le groupe. Voilà, pour cela. Et là, on est plutôt bon. Donc, je vais pouvoir commencer à looter ce magasin. Ça, je vais le faire en accéléré parce que ça va prendre un certain temps.
Ok, donc on est prêt là pour une première fournée. J'allais mettre ça directement dans ma bagnole. Là, il a envie de fumer. On va fumer une petite cigarette, hop, en chemin. Il a faim aussi. On va s'arrêter manger un petit bout là. Se faire une petite salade. Bon, donc là, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Encore une fois, des diables. Beaucoup de diables d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de choses en rapport avec le travail des métaux. Pas mal de haches aussi. Bon, puis des choses assez variées en somme. J'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Ça me fera une grosse réserve de choses. Allez, hop. On est reparti. Je vais mettre tout ça dans ma voiture et puis je vais aller chercher le reste. J'espère qu'il n'y a personne dehors. Ça a l'air d'aller. Allez, c'est bon, on va mettre ça. On va tout transférer rapidement. Ok. Et après, on transfère le reste sur le siège avant. Et on est reparti. Donc, je vais en finir avec le magasin de bricolage. Je pense qu'il doit rester encore des trucs intéressants. Peut-être des haches. J'ai pas tout regardé. J'ai quand même encore un peu plus de 100 de place. Bon là, le mall, ça s'est bien vidé hein, maintenant, on va dire. Ça commence à être praticable. Donc je devais en être dans ce coin-là, ouais. Voilà, il y a encore des haches. Hein. Hop. Bon allez, je vais refaire un petit coup d'accéléré. Voilà, cette fois c'est la bonne. Donc j'en ai fini là avec ce que je voulais prendre ici. Maintenant, on va essayer de tourner un peu déjà à l'endroit où il y avait pas mal de caisses de carton là. Il y avait là-bas derrière la librairie un endroit où il y avait plein de cartons. Donc on va espérer qu'ici on puisse trouver notre foreuse. Ah, apparemment, ils s'étaient tous collés là-dedans. Attention, là, ce serait pas le moment de faire une bêtise. Ce serait vraiment dommage. Alors, tout s'est si bien passé. Allez, viens là. On va régler le cas de ces deux-là. Et on va aller voir dans ces cartons. Oh, il a eu peur de je sais pas quoi. C'est bon. Ah, encore elle. Ok, donc dans les cartons, est-ce qu'on a... Oh, j'entends courir. Ça vient d'où? Pas de là déjà. Ok. Bon à savoir. Ça devait être elle. Courait pas en fait. Non. On taille et je continue de prendre si j'en ai plus vraiment besoin. Bon, dans ce jeu, on a tendance à entasser des objets parfois un peu inutilement. Du chou. Ouais, bon bah c'est pas très concluant. Encore des graines. Moi, bon, je me plaignais de pas en avoir assez. Là, comme ça. Et du gaz pour chalumeau. Ok. Bon, déjà. Ça c'est fait, pas. Ouais, attention, attention, attention. Attention, plus derrière là. Déjà là-dedans, on n'avait pas de foreuse. On va s'éloigner des portes là. J'entends encore marcher. Oui! Ah, c'est peur. Ok. On approche d'un endroit qui est
pas terrible, terrible, je crois, à ce coin-là. Attention. Ouais. Ça craint ici. Mais plus haut là-bas, il y a une espèce de salle. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait, elle? Il y a une espèce de salle avec une zone de stockage un peu avec des caisses et tout. C'est un peu mon dernier espoir là. Mais ça craint. J'aime pas ça du tout. Allez, on va rentrer, tant pis. On est là un peu. Ah, c'est une zone de sécurité, on dirait. J'ai été entendu là. Pousse-toi. Hop, y'a un coup de feu. Coup de chance. Ouais, voilà, j'espère qu'ils vont pas être 100 000 à rentrer là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça craint. Je suis bloqué là-dedans. Allez, 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 allez. Ouh, j'aime pas ça. Non, j'aime pas. Puis, ouais. Quand je vais sortir, si je me fais attraper, ça va pas être mieux. Ah, y en a qui descendent, tant mieux. Elle a pas entendu où on était, elle. Ouh, je suis bloqué, là. C'est un peu le stress. Je sais pas quoi faire. J'entends en plus... que ça grogne, je vais courir. Allez, tant pis, je sors de là. Ouais, j'ai bien fait de courir. Allez, là, il y en a. Oh là. C'était pas la bonne idée d'aller dans ces couloirs pourris. Hein. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Là, il peut plus y en avoir ici. Ouais. Oh. Attention. C'est chaud. Grosse tension là. Bon. Si c'est tout, ça me va. Il y en a un là-bas, mais il dort. Discrétion. Ça m'intéresse pas. Bon, je prends ça, mais je m'en fous. Peut-être là, j'ai vu une valve, il me semble. Ouais. Allez. Allez, une foreuse là. Que je sois pas venu pour rien. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. Mais pas de foreuse. Oh là là, dommage. On peut pas passer. Des graines, c'est bien. Lui, il dort. Et il n'y a pas de foreuse là. Ah, je suis déçu là. Où est-ce que je pourrais aller? Il faudrait que je regarde le plan du bâtiment. Il doit peut-être y avoir d'autres zones, possiblement. C'est possible qu'il y ait de... Ah! Super! Yes, ça pèse 25, j'ai juste la place. Wow, super. Hop, il y en avait une deuxième là. Voilà, elles étaient là en fait. C'est pour ça, on les trouvait pas. Ah bah, je suis pas venu pour rien. C'est un grand soulagement là. C'est génial. Je vais finir de remplir mon truc. Ça, je peux plus non plus. Ah bah, je suis full. Bon, je vais aller récupérer ma glacière. Puis là, je vais pas tenter d'autres trucs. C'était déjà bien chaud la fin. On va tranquillement retourner du côté de West Point. Sans prise de tête. Je pense que là, c'est vraiment une réussite. Si j'en reste là, ça ira. Ça sera vraiment, vraiment bien comme ça. Je vais pas tenter plus. De toute façon, je peux rien porter de plus. Hein. Là, je suis plein. Là, je suis plein. La voiture, elle est remplie. Donc, tout ce que je vais prendre en plus, bah, ça va me surcharger. Ça sert strictement à rien. Ouais, j'en reste là.
Ah, elle est pas par là, ma glacière. Je perds les pédales. C'est par là, la glacière. On l'a laissée dans la... On l'a laissée ici, voilà. Bon. C'était... La fin était chaude. J'avoue que c'était chaud. Ouais, de toute façon, je serais trop lourd, en plus. On va repartir, c'est bien. J'étais arrivé avec 1100, je repars, je suis à 1780, on a tué quand même pas mal de Z. Hein. Alors, ça aurait pu être plus, hein, mais bon, on va se contenter de ça. Et on repart. On a vaincu le môle. Bon, on n'a pas tout fait, hein. Je suis sûr qu'il y a des endroits, des pièces encore remplies. Je ne vais pas y passer non plus 10 jours. C'est pas mal comme ça. On va se faire une petite vue du parking. Ouais, pas mal de monde là. Toujours quand on arrive dans ce coin-là que c'est rempli. Ah bah oui, c'est voilà, c'est là le cinéma. Le cinéma, il est toujours complètement comme ça, complètement entouré. Voilà, on en sort indemne. Donc on est reparti pour le chemin du retour. Let's go. Là, on va se débarrasser des gêneurs. Bon, ça va, c'est tranquille hein, autour de la maison. C'est tranquille, tranquille. Eh bien, ça aurait été une sortie prolifique. Je reviens avec ma foreuse. Donc, l'opération foreuse est terminée. On va pouvoir se mettre à crafter des choses. Là, il est tard, je vais pouvoir le coucher. Je pense que dans les jours qui viennent, ça sera du off pour avancer un petit peu. Puis quand les choses redeviendront intéressantes, je referai un épisode. Je ne vais pas non plus passer trop de jours à faire du off, mais quelques-uns, histoire d'avancer un petit peu, de lire notamment des livres. Donc bah, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!